Hello guys, welcome to my channel Gaspard de Willien. Let me remind you, in this channel you can watch recipe of recette haïtien, casserole du monde, marmite créole and some old TV show I used to present in Haitian television. Today, like I promised you, we're gonna make a recipe from Haiti. It's called poisson gros sel. Bonsoir. Bonjour tout le monde, merci d'être un abonné à cette chaîne et laissez-moi vous rappeler que sur cette chaîne, vous pouvez regarder des recettes haïtiennes avec recettes haïtiennes, casserole du monde qui présente des plats du monde entier, marmite créole et aussi des anciens shows que je présentais à la télévision en Haïti. Aujourd'hui, comme promis, on va réaliser une recette haïtienne, c'est poisson gros sel. Stay tuned! Pour faire le poisson gros sel, on aura besoin de poisson, bien entendu. En général, le poisson gros sel en Haïti se fait avec le poisson rose. On aura besoin du beurre, mais en lieu et place du beurre, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive aussi. On aura besoin du sel assaisonné, du poivron vert et du poivron rouge. Des oignons découpés, deux jus de citron, l'équivalent de deux citrons pressés, du thym, du persil ou de la coriandre, et puis du romarin si vous voulez. Le romarin est optionnel, c'est en fonction de votre goût. Trois gousses d'ail, du poireau, du piment fort, et là encore c'est optionnel. Bon, vous pouvez soit découper un des piments parce qu'en Haïti on mange le poisson assez fort, très épicé, mais vous pouvez ne pas découper le piment, juste l'ajouter dans le bouillon pour ajouter du goût. Voilà, c'est là tous les ingrédients qui seront utilisés pour faire le poisson gros sel. To make the poisson gros sel, we need the fish. In Haiti, we use pink fish to make the poisson gros sel. Butter or olive oil. Seasoned salt. Onion. Red and green pepper. Thyme. Coriander or parsley, garlic, green onion, pepper. You can cut the pepper to have a really spicy fish, or you can just use the pepper while you're cooking the fish. Two lime. And get the juice from the limes. This is all the ingredients you will use to make the poisson gros sel. Alors, pour le poisson gros sel, avant de vous présenter les ingrédients, j'ai lavé les poissons. J'ai aussi fait tremper les poissons avec des épices combinées, épices haïtiennes, avec du gros sel. Alors, je dois souligner pour vous que pour le poisson gros sel, il faut utiliser le gros sel. Ce poisson, je l'ai assaisonné depuis tantôt une heure et demie. Avec des épices et puis du gros sel.
Je vais commencer par mettre le beurre dans la casserole, feu moyen. I will add the seasoned salt. Et le secret pour éviter de casser le poisson, c'est de constituer une espèce de lit avec les oignons pour le poisson. Comme ça, on n'aura pas le poisson au fond de la casserole qui va coller et qui va faire que le poisson se casse, se brise, etc. Donc maintenant, on va ajouter le poisson. On va ajouter ensuite des poivrons verts, quelques poivrons rouges découpés. On va ajouter aussi les poireaux qu'on avait découpés. Le thym. Le romarin, mais le romarin c'est optionnel comme je vous dis, mais ce qui est obligatoire c'est le thym pour le poisson gros sel, le persil, les gousses d'ail, le piment fort découpé, un piment en entier non découpé. Puis on va arroser tout ça avec le jus de citron. Mais on fait le tout avec le feu moyen. On va mettre le couvercle pendant 3 minutes seulement. Et puis on va laisser cuire sous la chaleur pendant 3 minutes. Et après on va ajouter de l'eau. After 3 minutes in steaming, we'll add the water. Après 3 minutes de cuisson en vapeur, on va ajouter l'eau. Toujours à feu doux, on va laisser cuire pendant 5 minutes, après on va retourner le poisson. On va laisser cuire 5 minutes de chaque côté, maintenant on va retourner le poisson de l'autre côté. On va le faire avec attention pour ne pas casser le poisson. On va laisser cuire ce côté 5 minutes aussi. On va recouvrir la casserole. After the second 5 minutes, we'll test our fish. Let's go. Après les deuxièmes 5 minutes de cuisson, on va goûter le poisson pour voir si il y a eu assez de sel. Parfait, il n'y a pas de souci. Maintenant, notre poisson est prêt à être dressé. Our poisson gros sel is ready to serve. Let me tell you, poisson gros sel is an easy, very easy dish and it won't take a long time to be ready.
Ok, notre poisson gros sel est prêt à être servi et ça ne prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'ingrédients. Donc, c'est un plat très goûteux que vous aurez beaucoup de plaisir à déguster. Je vous donne rendez-vous à Santo Domingo pour une autre édition de Casserole du Monde. En attendant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Et si vous avez aimé la vidéo ou bien la recette, je vous invite à donner un petit j'aime. À très bientôt pour une autre édition de Casserole du Monde. Mon nom, c'est Gaspard Dorélien. Hello guys, welcome to my channel, Gaspard Dorélien. Let me remind you, in this channel, you can watch recipe of Recette Haïtien, Casserole du Monde, Marmite Créole, and some old TV show I used to present in Haitian television. Today, like I promised you, we're gonna make a recipe from Haiti. It's called Poisson Gros Sel. Bonsoir. Bonjour tout le monde, merci d'être un abonné à cette chaîne et laissez-moi vous rappeler que sur cette chaîne, vous pouvez regarder des recettes haïtiennes avec recettes haïtiennes, Casserole du Monde qui présente des plats du monde entier, Marmite Créole et aussi des anciens shows que je présentais à la télévision en Haïti. Aujourd'hui, comme promis, on va réaliser une recette haïtienne, c'est poisson gros sel. Stay tuned! Pour faire le poisson gros sel, on aura besoin de poisson, bien entendu. En général, le poisson gros sel en Haïti se fait avec le poisson rose. On aura besoin du beurre, mais en lieu et place du beurre, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive aussi. On aura besoin du sel assaisonné, du poivron vert et du poivron rouge. Des oignons découpés, deux jus de citron, l'équivalent de deux citrons pressés, du thym, du persil ou de la coriandre, et puis du romarin si vous voulez. Le romarin est optionnel, c'est en fonction de votre goût. Trois gousses d'ail, du poireau, du piment fort, et là encore c'est optionnel. Bon, vous pouvez soit découper un des piments parce qu'en Haïti on mange le poisson assez fort, très épicé, mais vous pouvez ne pas découper le piment, juste l'ajouter dans le bouillon pour ajouter du goût. Voilà, c'est là tous les ingrédients
qui seront utilisées pour faire le poisson gros sel. To make the poisson gros sel, we need the fish. In Haiti, we use pink fish to make the poisson gros sel. Butter or olive oil. Seasoned salt. Onion. Red and green pepper. Thyme. Coriander. Coriander or parsley. Garlic. Green onion. Pepper. You can cut the pepper to have a really spicy fish, or you can just use the pepper in while you're cooking the fish. Two lime and have and get the juice from the limes. This is all the ingredients you will use to make the poisson gros sel. Alors, pour le poisson gros sel, avant de vous présenter les ingrédients, j'ai lavé les poissons. Et j'ai aussi fait tremper les poissons avec des épices combinées, épices haïtiennes, avec du gros sel. Alors, je dois souligner pour vous que pour le poisson gros sel, il faut utiliser le gros sel. Ce poisson, je l'ai assaisonné depuis tantôt une heure et demie. Avec des épices et puis du gros sel. Je vais commencer par mettre le beurre dans la casserole, feu moyen. I will add the seasoned salt. Et le secret pour éviter de casser le poisson, c'est de constituer une espèce de lit avec des oignons pour le poisson. Comme ça, on n'aura pas le poisson au fond de la casserole qui va coller et qui va faire que le poisson se casse, se brise, etc. Donc maintenant, on va ajouter le poisson. On va ajouter ensuite des poivrons verts, quelques poivrons rouges découpés. On va ajouter aussi les poireaux qu'on avait découpés. Le thym. Le romarin, mais le romarin c'est optionnel comme je vous dis, mais ce qui est obligatoire c'est le thym pour le poisson gros sel, le persil, les gousses d'ail, le piment fort découpé, un piment en entier non découpé. Puis on va arroser tout ça avec le jus de citron. Mais on fait le tout avec le feu moyen. On va mettre le couvercle pendant 3 minutes seulement. Et puis on va laisser
cuire sous la chaleur pendant 3 minutes et après on va ajouter de l'eau. After 3 minutes in steaming, we'll add the water. Après 3 minutes de cuisson en vapeur, on va ajouter l'eau. Toujours à feu doux, on va laisser cuire pendant 5 minutes, après on va retourner le poisson. On va laisser cuire 5 minutes de chaque côté, maintenant on va retourner le poisson de l'autre côté. On va le faire avec attention pour ne pas casser le poisson. Voilà. On va laisser cuire ce côté 5 minutes aussi. On va recouvrir la casserole. After the second 5 minutes, we'll test our fish. Let's go. Après les deuxièmes 5 minutes de cuisson, on va goûter le poisson pour voir si il y a eu assez de sel. Parfait, il n'y a pas de souci. Maintenant, notre poisson est prêt à être dressé. Our poisson gosel is ready to serve. Let me tell you, poisson gosel is an easy, very easy dish and it won't take a long time to be ready. Ok, notre poisson gosel est prêt à être servi et ça ne prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'ingrédients. Donc, c'est un plat très goûteux que vous aurez beaucoup de plaisir à déguster. Je vous donne rendez-vous à Santo Domingo pour une autre édition de Casserole du Monde. En attendant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Et si vous avez aimé la vidéo ou bien la recette, je vous invite à donner un petit j'aime. À très bientôt pour une autre édition de Casserole du Monde. Mon nom, c'est Gaspard d'Aurélien. Hello guys, welcome to my channel Gaspard d'Aurélien. Let me remind you, in this channel you can watch recipe of recette haïtienne, casserole du monde, marmite créole and some old TV show I used to present in Haitian television. Today, like I promised you, we're gonna make a recipe from Haiti. It's called poisson gros sel. Bonsoir. Bonjour tout le monde, merci d'être un abonné à cette chaîne et laissez-moi vous rappeler que sur cette chaîne, vous pouvez regarder des recettes
haïtienne avec recette haïtienne, casserole du monde qui présente des plats du monde entier, mamie créole et aussi des anciens shows que je présentais à la télévision en Haïti. Aujourd'hui, comme promis, on va réaliser une recette haïtienne, c'est poisson gros sel. Stay tuned. Pour faire le poisson gros sel, on aura besoin de poisson, bien entendu. En général, le poisson gros sel en Haïti se fait avec le poisson rose. On aura besoin du beurre, mais en lieu et place du beurre, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive aussi. On aura besoin du sel assaisonné, du poivron vert et du poivron rouge. Des oignons découpés, deux jus de citron, l'équivalent de deux citrons pressés, du thym, du persil ou de la coriandre, et puis du romarin si vous voulez. Le romarin est optionnel, c'est en fonction de votre goût. Trois gousses d'ail, du poireau, du piment fort, et là encore c'est optionnel. Bon, vous pouvez soit découper un des piments parce qu'en Haïti on mange le poisson assez fort, très épicé, mais vous pouvez ne pas découper le piment, juste l'ajouter dans le bouillon pour ajouter du goût. Voilà, c'est là tous les ingrédients qui seront utilisés pour faire le poisson gros sel. To make the poisson gros sel, we need the fish. In Haiti, we use pink fish to make the poisson gros sel. Butter or olive oil. Seasoned salt. Onion. Red and green pepper. Thyme. Coriander or parsley, garlic, green onion, pepper. You can cut the pepper to have a really spicy fish, or you can just use the pepper while you're cooking the fish. Two lime. And get the juice from the limes. This is all the ingredient you will use to make the poisson gros sel. Alors, pour le poisson gros sel, avant de vous présenter les ingrédients, j'ai lavé les poissons. J'ai aussi fait tremper les poissons avec des épices combinées, épices haïtiennes, avec du gros sel. Alors, je dois souligner pour vous que pour le poisson gros sel, il faut utiliser le gros sel. Ce poisson, je l'ai assaisonné depuis tantôt une heure et demie, avec des épices et puis du gros sel. Je vais commencer par mettre le beurre dans la casserole, feu moyen. I will add the seasoned salt. Et le secret pour éviter de casser le poisson,
c'est de constituer une espèce de lit avec des oignons pour le poisson. Comme ça, on n'aura pas le poisson au fond de la casserole qui va coller et qui va faire que le poisson se casse, se brise, etc. Donc maintenant, on va ajouter le poisson. On va ajouter ensuite des poivrons verts, quelques poivrons rouges découpés. On va ajouter aussi les poireaux qu'on avait découpés. Le thym. Le romarin, mais le romarin c'est optionnel comme je vous dis, mais ce qui est obligatoire c'est le thym pour le poisson gros sel, le persil, les gousses d'ail, le piment fort découpé, un piment en entier non découpé. Puis on va arroser tout ça avec le jus de citron. Mais on fait le tout avec le feu moyen. On va mettre le couvercle pendant 3 minutes seulement. Et puis on va laisser cuire sous la chaleur pendant 3 minutes. Et après on va ajouter de l'eau. After 3 minutes in steaming, we'll add the water. Après 3 minutes de cuisson en vapeur, on va ajouter l'eau. Toujours à feu doux, on va laisser cuire pendant 5 minutes, après on va retourner le poisson. On va laisser cuire 5 minutes de chaque côté, maintenant on va retourner le poisson de l'autre côté. On va le faire avec attention pour ne pas casser le poisson. On va laisser cuire ce côté 5 minutes aussi. On va recouvrir la casserole. After the second 5 minutes, we'll test our fish. Let's go. Après les deuxièmes 5 minutes de cuisson, on va goûter le poisson pour voir si il y a eu assez de sel. Parfait, il n'y a pas de souci. Maintenant, notre poisson est prêt à être dressé. Our poisson gros sel is ready to serve. Let me tell you, poisson gros sel is an easy, very easy dish and it won't take a long time to be ready. Ok, notre poisson gros sel est prêt à être servi et ça ne prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'ingrédients. Donc, c'est un plat très goûteux que vous aurez beaucoup de plaisir à déguster. Je vous donne rendez-vous à Santo Domingo
pour une autre édition de Casserole du Monde. En attendant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Et si vous avez aimé la vidéo ou bien la recette, je vous invite à donner un petit j'aime. À très bientôt pour une autre édition de Casserole du Monde. Mon nom, c'est Gaspard d'Aurélien. Hello guys, welcome to my channel, Gaspard d'Aurélien. Let me remind you, in this channel, you can watch recipe of Recette Haïtienne, Casserole du Monde, Marmite Créole, and some old TV show I used to present in Haitian television. Today, like I promised you, we're gonna make a recipe from Haiti. It's called Poisson Gros Sel. Bonsoir. Bonjour tout le monde, merci d'être un abonné à cette chaîne et laissez-moi vous rappeler que sur cette chaîne, vous pouvez regarder des recettes haïtiennes avec recettes haïtiennes, Casserole du Monde qui présente des plats du monde entier, Marmite Créole et aussi des anciens shows que je présentais à la télévision en Haïti. Aujourd'hui, comme promis, on va réaliser une recette haïtienne, c'est poisson gros sel. Stay tuned! Pour faire le poisson gros sel, on aura besoin de poisson, bien entendu. En général, le poisson gros sel en Haïti se fait avec le poisson rose. On aura besoin du beurre, mais en lieu et place du beurre, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive aussi. On aura besoin du sel assaisonné, du poivron vert et du poivron rouge. Des oignons découpés, deux jus de citron, l'équivalent de deux citrons pressés, du thym, du persil ou de la coriandre, et puis du romarin si vous voulez. Le romarin est optionnel, c'est en fonction de votre goût. Trois gousses d'ail, du poireau, du piment fort, et là encore c'est optionnel. Bon, vous pouvez soit découper un des piments parce qu'en Haïti on mange le poisson assez fort, très épicé, mais vous pouvez ne pas découper le piment, juste l'ajouter dans le bouillon pour ajouter du goût. Voilà, c'est là tous les ingrédients qui seront utilisés pour faire le poisson gros sel. To make the poisson gros sel, we need the fish. In Haiti, we use pink fish to make the poisson gros sel. Butter or olive oil. Seasoned salt. Onion. Red and green pepper. Thyme. Coriander,
coriander or parsley, garlic, green onion, pepper. You can cut the pepper to have a really spicy fish, or you can just use the pepper in while you're cooking the fish. Two lime and have and get the juice from the limes. This is all the ingredients you will use to make the poisson gosel. Alors, pour le poisson gosel, avant de vous présenter les ingrédients, j'ai lavé les poissons. J'ai aussi fait tremper les poissons avec des épices combinées, épices haïtiennes, avec du gros sel. Alors, je dois souligner pour vous que pour le poisson gosel, il faut utiliser le gros sel. Ce poisson, je l'ai assaisonné depuis tantôt une heure et demie, avec des épices et puis du gros sel. Je vais commencer par mettre le beurre dans la casserole, feu moyen. I will add the seasoned salt. Et le secret pour éviter de casser le poisson, c'est de constituer une espèce de lit avec les oignons pour le poisson. Comme ça, on n'aura pas le poisson au fond de la casserole qui va coller et qui va faire que le poisson se casse, se brise, etc. Donc maintenant, on va ajouter le poisson. On va ajouter ensuite des poivrons verts, quelques poivrons rouges découpés. On va ajouter aussi les poireaux qu'on avait découpés. Le thym. Le romarin, mais le romarin c'est optionnel comme je vous dis, mais ce qui est obligatoire c'est le thym pour le poisson gosel, le persil, les gousses d'ail, le piment fort découpé, un piment en entier non découpé. Puis on va arroser tout ça avec le jus de citron. Mais on fait le tout avec le feu moyen. On va mettre le couvercle pendant 3 minutes seulement. Et puis on va laisser cuire sous la chaleur pendant 3 minutes. Et après on va ajouter de l'eau. After 3 minutes in steaming, we'll add the water. Après 3 minutes de cuisson en vapeur, on va ajouter l'eau.
toujours à feu doux. On va laisser cuire pendant 5 minutes. Après, on va retourner le poisson. On va laisser cuire 5 minutes de chaque côté. Maintenant, on va retourner le poisson de l'autre côté. On va le faire avec attention pour ne pas casser le poisson. Voilà. On va laisser cuire ce côté 5 minutes aussi. On va recouvrir la casserole. After the second 5 minutes, we'll test our fish. Let's go. Après les deuxièmes 5 minutes de cuisson, on va goûter le poisson pour voir si il y a eu assez de sel. Parfait, il n'y a pas de souci. Maintenant, notre poisson est prêt à être dressé. Our poisson gosel is ready to serve. Let me tell you, poisson gosel is an easy, very easy dish, and it won't take a long time to be ready. Ok, notre poisson gosel est prêt à être servi et ça ne prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'ingrédients. Donc, c'est un plat très goûteux que vous aurez beaucoup de plaisir à déguster. Je vous donne rendez-vous à Santo Domingo pour une autre édition de Casseroles du Monde. En attendant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Et si vous avez aimé la vidéo ou bien la recette, je vous invite à donner un petit j'aime. À très bientôt pour une autre édition de Casseroles du Monde. Mon nom, c'est Gaspard d'Aurélien. Hello guys, welcome to my channel, Gaspard d'Aurélien. Let me remind you, in this channel, you can watch recipe of Recette Haïtien, Casserole du Monde, Marmite Créole, and some old TV show I used to present in Haitian television. Today, like I promised you, we're gonna make a recipe from Haiti. It's called Poisson Gros Sel. Bonsoir. Bonjour tout le monde, merci d'être un abonné à cette chaîne et laissez-moi vous rappeler que sur cette chaîne, vous pouvez regarder des recettes haïtiennes avec recettes haïtiennes, Casserole du Monde qui présente des plats du monde entier, Marmite Créole et aussi des anciens shows que je présentais à la télévision en Haïti. Aujourd'hui, comme promis, on va réaliser une recette haïtienne, c'est poisson gros sel. Stay tuned!
Pour faire le poisson gros sel, on aura besoin de poisson, bien entendu. En général, le poisson gros sel en Haïti se fait avec le poisson rose. On aura besoin du beurre, mais en lieu et place du beurre, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive aussi. On aura besoin du sel assaisonné, du poivron vert et du poivron rouge, des oignons découpés, deux jus de citron, l'équivalent de deux citrons pressés, du thym, du persil ou de la coriandre, et puis du romarin si vous voulez. Le romarin est optionnel, c'est en fonction de votre goût. Trois gousses d'ail, du poireau, du piment fort, et là encore c'est optionnel. Bon, vous pouvez soit découper un des piments parce qu'en Haïti on mange le poisson assez fort, très épicé. Mais vous pouvez ne pas découper le piment, juste l'ajouter dans le bouillon pour ajouter du goût. Voilà, c'est là tous les ingrédients qui seront utilisés pour faire le poisson gros sel. To make the poisson gros sel, we need the fish. In Haiti, we use pink fish to make the poisson gros sel. Butter or olive oil, seasoned salt, onion, red and green pepper, thyme, coriander or parsley, garlic, green onion, pepper. You can cut the pepper to have a really spicy fish, or you can just use the pepper in while you're cooking the fish. Two lime and get the juice from the limes. This is all the ingredients you will use to make the poisson gros sel. Alors, pour le poisson gros sel, avant de vous présenter les ingrédients, j'ai lavé les poissons. Et j'ai aussi fait tremper les poissons avec des épices combinées, épices haïtiennes, avec du gros sel. Alors, je dois souligner pour vous que pour le poisson gros sel, il faut utiliser le gros sel. Ce poisson, je l'ai assaisonné depuis tantôt une heure et demie, avec des épices et puis du gros sel. Je vais commencer par mettre le beurre dans la casserole, feu moyen. I will add the seasoned salt. Et le secret pour éviter de casser le poisson, c'est de constituer une espèce de lit avec les oignons pour le poisson. Comme ça, on n'aura pas le poisson au fond de la casserole qui va coller et qui va faire que le poisson se casse, se brise, etc. Donc maintenant, on va ajouter le poisson.
On va ajouter ensuite des poivrons verts, quelques poivrons rouges découpés. On va ajouter aussi les poireaux qu'on avait découpés. Le thym. Le romarin, mais le romarin c'est optionnel comme je vous dis. Mais ce qui est obligatoire c'est le thym pour le poisson gros sel. Le persil. Les gousses d'ail. Le piment fort découpé. Un piment en entier non découpé. Puis on va arroser tout ça avec le jus de citron. Mais on fait le tout avec le feu moyen. On va mettre le couvercle pendant 3 minutes seulement. Et puis on va laisser cuire sous la chaleur pendant 3 minutes. Et après on va ajouter de l'eau. After 3 minutes in steaming, we'll add the water. Après 3 minutes de cuisson en vapeur, on va ajouter l'eau. Toujours à feu doux, on va laisser cuire pendant 5 minutes. Après, on va retourner le poisson. On va laisser cuire 5 minutes de chaque côté. Maintenant, on va retourner le poisson de l'autre côté. On va le faire avec attention pour ne pas casser le poisson. Voilà. On va laisser cuire ce côté 5 minutes aussi. On va recouvrir la casserole. After the second 5 minutes, we'll test our fish. Let's go. Après les deuxièmes 5 minutes de cuisson, on va goûter le poisson pour voir si il y a eu assez de sel. Parfait, il n'y a pas de souci. Maintenant, notre poisson est prêt à être dressé. Our poisson gros sel is ready to serve. Let me tell you, poisson gros sel is an easy, very easy dish and it won't take a long time to be ready. Ok, notre poisson gros sel est prêt à être servi et ça ne prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'ingrédients. Donc, c'est un plat très goûteux que vous aurez beaucoup de plaisir à déguster. Je vous donne rendez-vous à Santo Domingo pour une autre édition de Casserole du Monde. En attendant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Et si vous avez aimé la vidéo ou bien la recette, je vous invite à donner un petit j'aime. À très bientôt pour une autre édition de Casserole du Monde. Mon nom, c'est Gaspard d'Aurélien.
Hello guys, welcome to my channel Gaspard de Willien. Let me remind you, in this channel you can watch recipe of recette haïtien, casserole du monde, marmite créole and some old TV show I used to present in Haitian television. Today, like I promised you, we're gonna make a recipe from Haiti. It's called poisson gros sel. Bonsoir. Bonjour tout le monde, merci d'être un abonné à cette chaîne et laissez-moi vous rappeler que sur cette chaîne, vous pouvez regarder des recettes haïtiennes avec recettes haïtiennes, casserole du monde qui présente des plats du monde entier, marmite créole et aussi des anciens shows que je présentais à la télévision en Haïti. Aujourd'hui, comme promis, on va réaliser une recette haïtienne, c'est poisson. On aura besoin du beurre. Mais en lieu et place du beurre, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive aussi. On aura besoin du sel assaisonné, du poivron vert et du poivron rouge, des oignons découpés, deux jus de citron, l'équivalent de deux citrons pressés, du thym, du persil ou de la coriandre, et puis du romarin si vous voulez. Le romarin est optionnel, c'est en fonction de votre goût. 3 gousses d'ail, du poireau, du piment fort, et là encore c'est optionnel. Bon, vous pouvez soit découper un des piments. Et parce qu'en Haïti, on mange le poisson assez fort, très épicé, mais vous pouvez ne pas découper le piment, juste l'ajouter dans le bouillon pour ajouter du goût. Voilà, c'est là tous les ingrédients qui seront utilisés pour faire le poisson gros sel. To make the poisson gros sel, we need the fish. In Haiti, we use pink fish to make the poisson gros sel, butter or olive oil, seasoned salt, onion, red and green pepper, thyme, coriander or parsley, garlic, green onion, pepper. You can cut the pepper to have a really spicy fish, or you can just use the pepper in while you're cooking the fish. 2 lime and get the juice from the limes. This is all the ingredients you will use to make the poisson gros sel. Alors, pour le poisson gros sel, avant de vous présenter les ingrédients, j'ai lavé les poissons. J'ai aussi fait tremper les poissons avec des épices combinées, épices haïtiennes, avec du gros sel. Alors je dois souligner pour vous que pour le poisson gros sel, il faut utiliser le gros sel. Ce poisson, je l'ai assaisonné depuis tantôt une heure et demie avec des épices et puis du gros sel. Je vais commencer par mettre le beurre dans la casserole, feu moyen. I will add the seasoned salt.
Et le secret pour éviter de casser le poisson, c'est de constituer une espèce de lit avec des oignons pour le poisson. Comme ça, on n'aura pas le poisson au fond de la casserole qui va coller et qui va faire que le poisson se casse, se brise, etc. Donc maintenant, on va ajouter le poisson. On va ajouter ensuite des poivrons verts, quelques poivrons rouges découpés. On va ajouter aussi les poireaux qu'on avait découpés. Le thym. Le romarin, mais le romarin c'est optionnel comme je vous dis, mais ce qui est obligatoire c'est le thym pour le poisson gros sel, le persil, les gousses d'ail, le piment fort découpé, un piment en entier non découpé. Puis on va arroser tout ça avec le jus de citron. Mais on fait le tout avec le feu moyen. On va mettre le couvercle pendant 3 minutes seulement. Et puis on va laisser cuire sous la chaleur pendant 3 minutes. Et après on va ajouter de l'eau. After 3 minutes in steaming, we'll add the water. Après 3 minutes de cuisson en vapeur, on va ajouter l'eau. Toujours à feu doux, on va laisser cuire pendant 5 minutes, après on va retourner le poisson. On va laisser cuire 5 minutes de chaque côté, maintenant on va retourner le poisson de l'autre côté. On va le faire avec attention pour ne pas casser le poisson. Voilà. On va laisser cuire ce côté 5 minutes aussi. On va recouvrir la casserole. After the second 5 minutes, we'll test our fish. Let's go. Après les deuxièmes 5 minutes de cuisson, on va goûter le poisson pour voir si il y a eu assez de sel. Parfait, il n'y a pas de souci. Maintenant, notre poisson est prêt à être dressé. Our poisson gros sel is ready to serve. Let me tell you, poisson gros sel is an easy, very easy dish and it won't take a long time to be ready. Ok, notre poisson gros sel est prêt à être servi et ça ne prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'ingrédients. Donc, c'est un plat très goûteux que vous aurez beaucoup de plaisir à déguster.
Je vous donne rendez-vous à Santo Domingo pour une autre édition de Casserole du Monde. En attendant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Et si vous avez aimé la vidéo ou bien la recette, je vous invite à donner un petit j'aime. À très bientôt pour une autre édition de Casserole du Monde. Mon nom, c'est Gaspard d'Aurélien. Hello guys, welcome to my channel, Gaspard d'Aurélien. Let me remind you, in this channel, you can watch recipe of Recette Haïtien, Casserole du Monde, Marmite Créole, and some old TV show I used to present in Haitian television. Today, like I promised you, we're gonna make a recipe from Haiti. It's called Poisson Gros Sel. Bonsoir. Bonjour tout le monde, merci d'être un abonné à cette chaîne et laissez-moi vous rappeler que sur cette chaîne, vous pouvez regarder des recettes haïtiennes avec Recettes Haïtiennes, Casserole du Monde qui présente des plats du monde entier, Marmite Créole et aussi des anciens shows que je présentais à la télévision en Haïti. Aujourd'hui, comme promis, on va réaliser une recette haïtienne, c'est poisson gros sel. Stay tuned! Pour faire le poisson gros sel, on aura besoin de poisson, bien entendu. En général, le poisson gros sel en Haïti se fait avec le poisson rose. On aura besoin du beurre, mais en lieu et place du beurre, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive aussi. On aura besoin du sel assaisonné, du poivron vert et du poivron rouge. Des oignons découpés, deux jus de citron, l'équivalent de deux citrons pressés, du thym, du persil ou de la coriandre, et puis du romarin si vous voulez. Le romarin est optionnel, c'est en fonction de votre goût. Trois gousses d'ail, du poireau, du piment fort, et là encore c'est optionnel. Bon, vous pouvez soit découper un des piments parce qu'en Haïti on mange le poisson assez fort, très épicé, mais vous pouvez ne pas découper le piment, juste l'ajouter dans le bouillon pour ajouter du goût. Voilà, c'est là tous les ingrédients qui seront utilisés pour faire le poisson gros sel. To make the poisson gros sel, we need the fish. In Haiti, we use pink fish to make the poisson gros sel. Butter or olive oil. Seasoned salt. Onion. Red and green pepper. Thyme.
coriander or parsley, garlic, green onion, pepper. You can cut the pepper to have a really spicy fish, or you can just use the pepper in while you're cooking the fish. 2 lime and get the juice from the limes. This is all the ingredient you will use to make the poisson gosel. Alors, pour le poisson gosel, avant de vous présenter les ingrédients, j'ai lavé les poissons. Et j'ai aussi fait tremper les poissons avec des épices combinées, épices haïtiennes, avec du gros sel. Alors, je dois souligner pour vous que pour le poisson gosel, il faut utiliser le gros sel. Ce poisson, je l'ai assaisonné depuis tantôt une heure et demie, avec des épices et puis du gros sel. Je vais commencer par mettre le beurre dans la casserole, feu moyen. I will add the seasoned salt. Et le secret pour éviter de casser le poisson, c'est de constituer une espèce de lit avec les oignons pour le poisson. Comme ça, on n'aura pas le poisson au fond de la casserole qui va coller et qui va faire que le poisson se casse, se brise, etc. Donc maintenant, on va ajouter le poisson. On va ajouter ensuite des poivrons verts, quelques poivrons rouges découpés. On va ajouter aussi les poireaux qu'on avait découpés. Le thym. Le romarin, mais le romarin c'est optionnel comme je vous dis, mais ce qui est obligatoire c'est le thym pour le poisson gosel, le persil, les gousses d'ail, le piment fort découpé, un piment en entier non découpé. Puis on va arroser tout ça avec le jus de citron. Mais on fait le tout avec le feu moyen. On va mettre le couvercle pendant 3 minutes seulement. Et puis on va laisser cuire sous la chaleur pendant 3 minutes. Et après on va ajouter de l'eau. After 3 minutes in steaming, we'll add the water. Après 3 minutes de cuisson en vapeur, on va ajouter l'eau. Tout
toujours à feu doux. On va laisser cuire pendant 5 minutes. Après, on va retourner le poisson. On va laisser cuire 5 minutes de chaque côté. Maintenant, on va retourner le poisson de l'autre côté. On va le faire avec attention pour ne pas casser le poisson. Voilà. On va laisser cuire ce côté 5 minutes aussi. On va recouvrir la casserole. After the second 5 minutes, we'll test our fish. Let's go. Après les deuxièmes 5 minutes de cuisson, on va goûter le poisson pour voir si il y a eu assez de sel. Parfait, il n'y a pas de souci. Maintenant, notre poisson est prêt à être dressé. Our poisson gosel is ready to serve. Let me tell you, poisson gosel is an easy, very easy dish and it won't take a long time to be ready. Ok, notre poisson gosel est prêt à être servi et ça ne prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'ingrédients. Donc, c'est un plat très goûteux que vous aurez beaucoup de plaisir à déguster. Je vous donne rendez-vous à Santo Domingo pour une autre édition de Casserole du Monde. En attendant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Et si vous avez aimé la vidéo ou bien la recette, je vous invite à donner un petit j'aime. À très bientôt pour une autre édition de Casserole du Monde. Mon nom, c'est Gaspard d'Aurélien. Hello guys, welcome to my channel, Gaspard d'Aurélien. Let me remind you, in this channel, you can watch recipe of Recette Haïtien, Casserole du Monde, Marmite Créole, and some old TV show I used to present in Haitian television. Today, like I promised you, we're gonna make a recipe from Haiti. It's called Poisson Gros Sel. Bonsoir. Bonjour tout le monde, merci d'être un abonné à cette chaîne et laissez-moi vous rappeler que sur cette chaîne, vous pouvez regarder des recettes haïtiennes avec recettes haïtiennes, Casserole du Monde qui présente des plats du monde entier, Marmite Créole et aussi des anciens shows que je présentais à la télévision en Haïti. Aujourd'hui, comme promis, on va réaliser une recette haïtienne, c'est poisson gros sel. Stay tuned!
Pour faire le poisson gros sel, on aura besoin de poisson, bien entendu. En général, le poisson gros sel en Haïti se fait avec le poisson rose. On aura besoin du beurre, mais en lieu et place du beurre, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive aussi. On aura besoin du sel assaisonné, du poivron vert et du poivron rouge, des oignons découpés, deux jus de citron, l'équivalent de deux citrons pressés, du thym, du persil ou de la coriandre, et puis du romarin si vous voulez. Le romarin est optionnel, c'est en fonction de votre goût. Trois gousses d'ail, du poireau, du piment fort, et là encore c'est optionnel. Bon, vous pouvez soit découper un des piments parce qu'en Haïti on mange le poisson assez fort, très épicé, mais vous pouvez ne pas découper le piment, juste l'ajouter dans le bouillon pour ajouter du goût. Voilà, c'est là tous les ingrédients qui seront utilisés pour faire le poisson gros sel. To make the poisson gros sel, we need the fish. In Haiti, we use pink fish to make the poisson gros sel. Butter or olive oil, seasoned salt, onion, red and green pepper, thyme, coriander or parsley, garlic, green onion, pepper. You can cut the pepper to have a really spicy fish, or you can just use the pepper in while you cooking the fish. Two lime and get the juice from the limes. This is all the ingredient you will use to make the poisson gros sel. Alors, pour le poisson gros sel, avant de vous présenter les ingrédients, j'ai lavé les poissons. Et j'ai aussi fait tremper les poissons avec des épices combinées, épices haïtiennes, avec du gros sel. Alors, je dois souligner pour vous que pour le poisson gros sel, il faut utiliser le gros sel. Ce poisson, je l'ai assaisonné depuis tantôt une heure et demie, avec des épices et puis du gros sel. Je vais commencer par mettre le beurre dans la casserole, feu moyen. I will add the seasoned salt. Et le secret pour éviter de casser le poisson, c'est de constituer une espèce de lit avec les oignons pour le poisson. Comme ça, on n'aura pas le poisson au fond de la casserole qui va coller et qui va faire que le poisson se casse, se brise, etc. Donc maintenant, on va ajouter le poisson.
On va ajouter ensuite des poivrons verts, quelques poivrons rouges découpés. On va ajouter aussi les poireaux qu'on avait découpés. Le thym. Le romarin, mais le romarin c'est optionnel comme je vous dis. Mais ce qui est obligatoire c'est le thym pour le poisson gros sel. Le persil. Les gousses d'ail. Le piment fort découpé. Un piment en entier non découpé. Puis on va arroser tout ça avec le jus de citron. Mais on fait le tout avec le feu moyen. On va mettre le couvercle pendant 3 minutes seulement. Et puis on va laisser cuire sous la chaleur pendant 3 minutes. Et après on va ajouter de l'eau. After 3 minutes in steaming, we'll add the water. Après 3 minutes de cuisson en vapeur, on va ajouter l'eau. Toujours à feu doux, on va laisser cuire pendant 5 minutes, après on va retourner le poisson. On va laisser cuire 5 minutes de chaque côté, maintenant on va retourner le poisson de l'autre côté. On va le faire avec attention pour ne pas casser le poisson. On va laisser cuire ce côté 5 minutes aussi. On va recouvrir la casserole. After the second 5 minutes, we'll test our fish. Let's go. Après les deuxièmes 5 minutes de cuisson, on va goûter le poisson pour voir si il y a eu assez de sel. Parfait, il n'y a pas de souci. Maintenant, notre poisson est prêt à être dressé. Our poisson gros sel is ready to serve. Let me tell you, poisson gros sel is an easy, very easy dish and it won't take a long time to be ready. Ok, notre poisson gros sel est prêt à être servi et ça ne prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'ingrédients. Donc, c'est un plat très goûteux que vous aurez beaucoup de plaisir à déguster. Je vous donne rendez-vous à Santo Domingo pour une autre édition de Casserole du Monde. En attendant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Et si vous avez aimé la vidéo ou bien la recette, je vous invite à donner un petit j'aime. À très bientôt pour une autre édition de Casserole du Monde. Mon nom, c'est Gaspard Dorélien.
Hello guys, welcome to my channel Gaspar de Willien. Let me remind you, in this channel you can watch recipe of recette haïtien, casserole du monde, marmite créole and some old TV show I used to present in Haitian television. Today, like I promised you, we're gonna make a recipe from Haiti. It's called poisson gros sel. Bonsoir. Bonjour tout le monde, merci d'être un abonné à cette chaîne et laissez-moi vous rappeler que sur cette chaîne, vous pouvez regarder des recettes haïtiennes avec recettes haïtiennes, casserole du monde qui présente des plats du monde entier, marmite créole et aussi des anciens shows que je présentais à la télévision en Haïti. Aujourd'hui, comme promis, on va réaliser une recette haïtienne, c'est poisson gros sel. Stay tuned! Pour faire le poisson gros sel, on aura besoin de poisson, bien entendu. En général, le poisson gros sel en Haïti se fait avec le poisson rose. On aura besoin du beurre, mais en lieu et place du beurre, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive aussi. On aura besoin du sel assaisonné, du poivron vert et du poivron rouge. Des oignons découpés, deux jus de citron, l'équivalent de deux citrons pressés, du thym, du persil ou de la coriandre, et puis du romarin si vous voulez. Le romarin est optionnel, c'est en fonction de votre goût. Trois gousses d'ail, du poireau, du piment fort, et là encore c'est optionnel. Bon, vous pouvez soit découper un des piments parce qu'en Haïti on mange le poisson assez fort, très épicé, mais vous pouvez ne pas découper le piment, juste l'ajouter dans le bouillon pour ajouter du goût. Voilà, c'est là tous les ingrédients qui seront utilisés pour faire le poisson gros sel. To make the poisson gros sel, we need the fish. In Haiti, we use pink fish to make the poisson gros sel. Butter or olive oil. Seasoned salt. Onion. Red and green pepper. Thyme. Coriander or parsley, garlic, green onion, pepper. You can cut the pepper to have a really spicy fish, or you can just use the pepper in while you're cooking the fish. Two lime. And get the juice from the limes. This is all the ingredient you will use to make the poisson gros sel. Alors, pour le poisson gros sel, avant de vous présenter les ingrédients, j'ai lavé les poissons. J'ai aussi fait tremper les poissons avec des épices combinées, épices haïtiennes, avec du gros sel. Alors, je dois souligner pour vous que pour le poisson gros sel, il faut utiliser le gros sel. Ce poisson, je l'ai assaisonné depuis tantôt une heure et demie, avec des épices et puis du gros sel.
Je vais commencer par mettre le beurre dans la casserole, feu moyen. I will add seasoned salt. Et le secret pour éviter de casser le poisson, c'est de constituer une espèce de lit avec des oignons pour le poisson. Comme ça, on n'aura pas le poisson au fond de la casserole qui va coller et qui va faire que le poisson se casse, se brise, etc. Donc maintenant, on va ajouter le poisson. On va ajouter ensuite des poivrons verts, quelques poivrons rouges découpés. On va ajouter aussi les poireaux qu'on avait découpés. Le thym. Le romarin, mais le romarin c'est optionnel comme je vous dis, mais ce qui est obligatoire c'est le thym pour le poisson gros sel, le persil, les gousses d'ail, le piment fort découpé, un piment en entier non découpé. Puis on va arroser tout ça avec le jus de citron. Mais on fait le tout avec le feu moyen. On va mettre le couvercle pendant 3 minutes seulement. Et puis on va laisser cuire sous la chaleur pendant 3 minutes. Et après on va ajouter de l'eau. After 3 minutes in steaming, we'll add the water. Après 3 minutes de cuisson en vapeur, on va ajouter l'eau. Toujours à feu doux, on va laisser cuire pendant 5 minutes, après on va retourner le poisson. On va laisser cuire 5 minutes de chaque côté, maintenant on va retourner le poisson de l'autre côté. On va le faire avec attention pour ne pas casser le poisson. On va laisser cuire ce côté 5 minutes aussi. On va recouvrir la casserole. After the second 5 minutes, we'll test our fish. Let's go. Après les deuxièmes 5 minutes de cuisson, on va goûter le poisson pour voir si il y a eu assez de sel. Parfait, il n'y a pas de souci. Maintenant, notre poisson est prêt à être dressé. Our poisson gros sel is ready to serve. Let me tell you, poisson gros sel is an easy, very easy dish and it won't take a long time to be ready.
Ok, notre poisson gros sahel est prêt à être servi et ça ne prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'ingrédients. Donc, c'est un plat très goûteux que vous aurez beaucoup de plaisir à déguster. Je vous donne rendez-vous à Santo Domingo pour une autre édition de Casserole du Monde. En attendant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Et si vous avez aimé la vidéo ou bien la recette, je vous invite à donner un petit j'aime. À très bientôt pour une autre édition de Casserole du Monde. Mon nom, c'est Gaspard d'Aurélien. Hello guys, welcome to my channel, Gaspard d'Aurélien. Let me remind you, in this channel, you can watch recipe of Recette Haïtienne, Casserole du Monde, Marmite Créole, and some old TV show I used to present in Haitian television. Today, like I promised you, we're gonna make a recipe from Haiti. It's called Poisson Gros Sel. Bonsoir. Bonjour tout le monde, merci d'être un abonné à cette chaîne et laissez-moi vous rappeler que sur cette chaîne, vous pouvez regarder des recettes haïtiennes avec recettes haïtiennes, Casserole du Monde qui présente des plats du monde entier, Marmite Créole et aussi des anciens shows que je présentais à la télévision en Haïti. Aujourd'hui, comme promis, on va réaliser une recette haïtienne, c'est poisson gros sel. Stay tuned! Pour faire le poisson gros sel, on aura besoin de poisson, bien entendu. En général, le poisson gros sel en Haïti se fait avec le poisson rose. On aura besoin du beurre, mais en lieu et place du beurre, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive aussi. On aura besoin du sel assaisonné, du poivron vert et du poivron rouge. Des oignons découpés, deux jus de citron, l'équivalent de deux citrons pressés, du thym, du persil ou de la coriandre, et puis du romarin si vous voulez. Le romarin est optionnel, c'est en fonction de votre goût. Trois gousses d'ail, du poireau. Du piment fort, et là encore c'est optionnel. Bon, vous pouvez soit découper un des piments parce qu'en Haïti on mange le poisson assez fort, très épicé, mais vous pouvez ne pas découper le piment, juste l'ajouter dans le bouillon pour ajouter du goût. Voilà, c'est là tous les ingrédients
qui seront utilisées pour faire le poisson gros sel. To make the poisson gros sel, we need the fish. In Haiti, we use pink fish to make the poisson gros sel. Butter or olive oil. Seasoned salt. Onion. Red and green pepper, thyme, coriander or parsley, garlic, green onion, pepper. You can cut the pepper to have a really spicy fish. Or you can just use the pepper in while you're cooking the fish. Two lime and get the juice from the limes. This is all the ingredients you will use to make the poisson gros sel. Alors, pour le poisson gros sel, avant de vous présenter les ingrédients, j'ai lavé les poissons. J'ai aussi fait tremper les poissons avec des épices combinées, épices haïtiennes, avec du gros sel. Alors, je dois souligner pour vous que pour le poisson gros sel, il faut utiliser le gros sel. Ce poisson, je l'ai assaisonné depuis tantôt une heure et demie. Avec des épices et puis du gros sel. Je vais commencer par mettre le beurre dans la casserole, feu moyen. I will add the seasoned salt. Et le secret pour éviter de casser le poisson, c'est de constituer une espèce de lit avec des oignons pour le poisson. Comme ça, on n'aura pas le poisson au fond de la casserole qui va coller et qui va faire que le poisson se casse, se brise, etc. Donc maintenant, on va ajouter le poisson. On va ajouter ensuite des poivrons verts, quelques poivrons rouges découpés. On va ajouter aussi les poireaux qu'on avait découpés. Le thym. Le romarin, mais le romarin c'est optionnel comme je vous dis, mais ce qui est obligatoire c'est le thym pour le poisson gros sel, le persil, les gousses d'ail, le piment fort découpé, un piment en entier non découpé. Puis on va arroser tout ça avec le jus de citron. Mais on fait le tout avec le feu moyen. On va mettre le couvercle pendant 3 minutes seulement. Et puis on va laisser
cuire sous la chaleur pendant 3 minutes et après on va ajouter de l'eau. After 3 minutes in steaming, we'll add the water. Après 3 minutes de cuisson en vapeur, on va ajouter l'eau. Toujours à feu doux, on va laisser cuire pendant 5 minutes, après on va retourner le poisson. On va laisser cuire 5 minutes de chaque côté, maintenant on va retourner le poisson de l'autre côté. On va le faire avec attention pour ne pas casser le poisson. Voilà. On va laisser cuire ce côté 5 minutes aussi. On va recouvrir la casserole. After the second 5 minutes, we'll test our fish. Let's go. Après les deuxièmes 5 minutes de cuisson, on va goûter le poisson pour voir si il y a eu assez de sel. Parfait, il n'y a pas de souci. Maintenant, notre poisson est prêt à être dressé. Our poisson gosel is ready to serve. Let me tell you, poisson gosel is an easy, very easy dish and it won't take a long time to be ready. Ok, notre poisson gosel est prêt à être servi et ça ne prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'ingrédients. Donc, c'est un plat très goûteux que vous aurez beaucoup de plaisir à déguster. Je vous donne rendez-vous à Santo Domingo pour une autre édition de Casserole du Monde. En attendant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Et si vous avez aimé la vidéo ou bien la recette, je vous invite à donner un petit j'aime. À très bientôt pour une autre édition de Casserole du Monde. Mon nom, c'est Gaspard d'Aurélien. Hello guys, welcome to my channel, Gaspard d'Aurélien. Let me remind you, in this channel, you can watch recipe of Recette Haïtienne, Casserole du Monde, Marmite Créole, and some old TV show I used to present in Haitian television. Today, like I promised you, we're gonna make a recipe from Haiti. It's called Poisson Gros Sel. Bonsoir. Bonjour tout le monde, merci d'être un abonné à cette chaîne et laissez-moi vous rappeler que sur cette chaîne, vous pouvez regarder des recettes
haïtienne, avec recettes haïtiennes. Casserole du monde qui présente des plats du monde entier. Mamie créole et aussi des anciens shows que je présentais à la télévision en Haïti. Aujourd'hui, comme promis, on va réaliser une recette haïtienne. C'est poisson gros sel. Stay tuned. Pour faire le poisson gros sel, on aura besoin de poisson, bien entendu. En général, le poisson gros sel en Haïti se fait avec le poisson rose. On aura besoin du beurre, mais en lieu et place du beurre, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive aussi. On aura besoin du sel assaisonné, du poivron vert et du poivron rouge. Des oignons découpés, deux jus de citron, l'équivalent de deux citrons pressés, du thym, du persil ou de la coriandre, et puis du romarin si vous voulez. Le romarin est optionnel, c'est en fonction de votre goût. Trois gousses d'ail, du poireau, du piment fort, et là encore c'est optionnel. Bon, vous pouvez soit découper un des piments pour, parce qu'en Haïti on mange le poisson assez fort, très épicé, mais vous pouvez ne pas découper le piment, juste l'ajouter dans le bouillon pour donner, pour ajouter du goût. Voilà, c'est là tous les ingrédients qui seront utilisés pour faire le poisson gros sel. To make the poisson gros sel, we need the fish. In Haiti, we use pink fish to make the poisson gros sel. Butter or olive oil. Seasoned salt. Onion. Red and green pepper. Thyme. Coriander or parsley, garlic, green onion, pepper. You can cut the pepper to have a really spicy fish, or you can just use the pepper in while you're cooking the fish. Two lime. And get the juice from the limes. This is all the ingredients you will use to make the poisson gros sel. Alors, pour le poisson gros sel, avant de vous présenter les ingrédients, j'ai lavé les poissons. Et j'ai aussi fait tremper les poissons avec des épices combinées, épices haïtiennes, avec du gros sel. Alors, je dois souligner pour vous que pour le poisson gros sel, il faut utiliser le gros sel. Ce poisson, je l'ai assaisonné depuis tantôt une heure et demie, avec des épices et puis du gros sel. Je vais commencer par mettre le beurre dans la casserole, feu moyen. I will add the seasoned salt. Et le secret pour éviter de casser le poisson,
c'est de constituer une espèce de lit avec des oignons pour le poisson. Comme ça, on n'aura pas le poisson au fond de la casserole qui va coller et qui va faire que le poisson se casse, se brise, etc. Donc maintenant, on va ajouter le poisson. On va ajouter ensuite des poivrons verts, quelques poivrons rouges découpés. On va ajouter aussi les poireaux qu'on avait découpés. Le thym. Le romarin, mais le romarin c'est optionnel comme je vous dis, mais ce qui est obligatoire c'est le thym pour le poisson gros sel, le persil, les gousses d'ail, le piment fort découpé, un piment en entier non découpé. Puis on va arroser tout ça avec le jus de citron. Mais on fait le tout avec le feu moyen. On va mettre le couvercle pendant 3 minutes seulement. Et puis on va laisser cuire sous la chaleur pendant 3 minutes. Et après on va ajouter de l'eau. After 3 minutes in steaming, we'll add the water. Après 3 minutes de cuisson en vapeur, on va ajouter l'eau. Toujours à feu doux, on va laisser cuire pendant 5 minutes, après on va retourner le poisson. On va laisser cuire 5 minutes de chaque côté, maintenant on va retourner le poisson de l'autre côté. On va le faire avec attention pour ne pas casser le poisson. On va laisser cuire ce côté 5 minutes aussi. On va recouvrir la casserole. After the second 5 minutes, we'll test our fish. Let's go. Après les deuxièmes 5 minutes de cuisson, on va goûter le poisson pour voir si il y a eu assez de sel. Parfait, il n'y a pas de souci. Maintenant, notre poisson est prêt à être dressé. Our poisson gros sel is ready to serve. Let me tell you, poisson gros sel is an easy, very easy dish and it won't take a long time to be ready. Ok, notre poisson gros sel est prêt à être servi et ça ne prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'ingrédients. Donc, c'est un plat très goûteux que vous aurez beaucoup de plaisir à déguster.
Je vous donne rendez-vous à Santo Domingo pour une autre édition de Casseroles du Monde. En attendant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Et si vous avez aimé la vidéo ou bien la recette, je vous invite à donner un petit j'aime. À très bientôt pour une autre édition de Casseroles du Monde. Mon nom, c'est Gaspard Dorélien. Hello guys, welcome to my channel, Gaspard Dorélien. Let me remind you, in this channel, you can watch recipe of Recette Haïtien, Casserole du Monde, Marmite Créole, and some old TV show I used to present in Haitian television. Today, like I promised you, we're gonna make a recipe from Haiti. It's called Poisson Gros Sel. Bonsoir. Bonjour tout le monde, merci d'être un abonné à cette chaîne et laissez-moi vous rappeler que sur cette chaîne, vous pouvez regarder des recettes haïtiennes avec recettes haïtiennes, Casseroles du Monde qui présente des plats du monde entier, Marmite Créole et aussi des anciens shows que je présentais à la télévision en Haïti. Aujourd'hui, comme promis, on va réaliser une recette haïtienne, c'est poisson gros sel. Stay tuned! Pour faire le poisson gros sel, on aura besoin de poisson, bien entendu. En général, le poisson gros sel en Haïti se fait avec le poisson rose. On aura besoin du beurre, mais en lieu et place du beurre, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive aussi. On aura besoin du sel assaisonné, du poivron vert et du poivron rouge. Des oignons découpés, deux jus de citron, l'équivalent de deux citrons pressés, du thym, du persil ou de la coriandre, et puis du romarin si vous voulez. Le romarin est optionnel, c'est en fonction de votre goût. Trois gousses d'ail, du poireau, du piment fort, et là encore c'est optionnel. Bon, vous pouvez soit découper un des piments parce qu'en Haïti on mange le poisson assez fort, très épicé, mais vous pouvez ne pas découper le piment, juste l'ajouter dans le bouillon pour ajouter du goût. Voilà, c'est là tous les ingrédients qui seront utilisés pour faire le poisson gros sel. To make the poisson gros sel, we need the fish. In Haiti, we use pink fish to make the poisson gros sel. Butter or olive oil. Seasoned salt. Onion. Red and green pepper. Thyme.
coriander, coriander or parsley, garlic, green onion, pepper. You can cut the pepper to have a really spicy fish, or you can just use the pepper in while you're cooking the fish. Two lime and have and get the juice from the limes. This is all the ingredients you will use to make the poisson gosel. Alors, pour le poisson gosel, avant de vous présenter les ingrédients, j'ai lavé les poissons. Et j'ai aussi fait tremper les poissons avec des épices combinées, épices haïtiennes, avec du gros sel. Alors, je dois souligner pour vous que pour le poisson gosel, il faut utiliser le gros sel. Ce poisson, je l'ai assaisonné depuis tantôt une heure et demie, avec des épices et puis du gros sel. Je vais commencer par mettre le beurre dans la casserole, feu moyen. I will add the seasoned salt. Et le secret pour éviter de casser le poisson, c'est de constituer une espèce de lit avec les oignons pour le poisson. Comme ça, on n'aura pas le poisson au fond de la casserole qui va coller et qui va faire que le poisson se casse, se brise, etc. Donc maintenant, on va ajouter le poisson. On va ajouter ensuite des poivrons verts, quelques poivrons rouges découpés. On va ajouter aussi les poireaux qu'on avait découpés. Le thym. Le romarin, mais le romarin c'est optionnel comme je vous dis, mais ce qui est obligatoire c'est le thym pour le poisson gosel, le persil, les gousses d'ail, le piment fort découpé, un piment en entier non découpé. Puis on va arroser tout ça avec le jus de citron, mais on fait le tout avec le feu moyen. On va mettre le couvercle pendant 3 minutes seulement, et puis on va laisser cuire sous la chaleur pendant 3 minutes, et après on va ajouter de l'eau. After 3 minutes in steaming, we'll add the water. Après 3 minutes de cuisson en vapeur, on va ajouter l'eau. Toujours
toujours à feu doux. On va laisser cuire pendant 5 minutes. Après, on va retourner le poisson. On va laisser cuire 5 minutes de chaque côté. Maintenant, on va retourner le poisson de l'autre côté. On va le faire avec attention pour ne pas casser le poisson. Voilà. On va laisser cuire ce côté 5 minutes aussi. On va recouvrir la casserole. After the second 5 minutes, we'll test our fish. Let's go. Après les deuxièmes 5 minutes de cuisson, on va goûter le poisson pour voir si il y a eu assez de sel. Parfait, il n'y a pas de souci. Maintenant, notre poisson est prêt à être dressé. Our poisson gosel is ready to serve. Let me tell you, poisson gosel is an easy, very easy dish, and it won't take a long time to be ready. Ok, notre poisson gosel est prêt à être servi et ça ne prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'ingrédients. Donc, c'est un plat très goûteux que vous aurez beaucoup de plaisir à déguster. Je vous donne rendez-vous à Santo Domingo pour une autre édition de Casserole du Monde. En attendant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Et si vous avez aimé la vidéo ou bien la recette, je vous invite à donner un petit j'aime. À très bientôt pour une autre édition de Casserole du Monde. Mon nom, c'est Gaspard Dorélien. Hello guys, welcome to my channel, Gaspard Dorélien. Let me remind you, in this channel, you can watch recipe of Recette Haïtienne, Casserole du Monde, Marmite Créole, and some old TV show I used to present in Haitian television. Today, like I promised you, we're gonna make a recipe from Haiti. It's called Poisson Gros Sel. Bonsoir. Bonjour tout le monde, merci d'être un abonné à cette chaîne et laissez-moi vous rappeler que sur cette chaîne, vous pouvez regarder des recettes haïtiennes avec recettes haïtiennes, Casserole du Monde qui présente des plats du monde entier, Marmite Créole et aussi des anciens shows que je présentais à la télévision en Haïti. Aujourd'hui, comme promis, on va réaliser une recette haïtienne, c'est poisson gros sel. Stay tuned!
Pour faire le poisson gros sel, on aura besoin de poisson, bien entendu. En général, le poisson gros sel en Haïti se fait avec le poisson rose. On aura besoin du beurre, mais en lieu et place du beurre, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive aussi. On aura besoin du sel assaisonné, du poivron vert et du poivron rouge, des oignons découpés, deux jus de citron, l'équivalent de deux citrons pressés, du thym, du persil ou de la coriandre, et puis du romarin si vous voulez. Le romarin est optionnel, c'est en fonction de votre goût. Trois gousses d'ail, du poireau, du piment fort, et là encore c'est optionnel. Bon, vous pouvez soit découper un des piments parce qu'en Haïti on mange le poisson assez fort, très épicé, mais vous pouvez ne pas découper le piment, juste l'ajouter dans le bouillon pour ajouter du goût. Voilà, c'est là tous les ingrédients qui seront utilisés pour faire le poisson gros sel. To make the poisson gros sel, we need the fish. In Haiti, we use pink fish to make the poisson gros sel. Butter or olive oil, seasoned salt, onion, red and green pepper, thyme, coriander or parsley, garlic, green onion, pepper. You can cut the pepper to have a really spicy fish, or you can just use the pepper in while you cooking the fish. Two lime and get the juice from the limes. This is all the ingredient you will use to make the poisson gros sel. Alors, pour le poisson gros sel, avant de vous présenter les ingrédients, j'ai lavé les poissons. J'ai aussi fait tremper les poissons avec des épices combinées, épices haïtiennes, avec du gros sel. Alors, je dois souligner pour vous que pour le poisson gros sel, il faut utiliser le gros sel. Ce poisson, je l'ai assaisonné depuis tantôt une heure et demie, avec des épices et puis du gros sel. Je vais commencer par mettre le beurre dans la casserole, feu moyen. I will add the seasoned salt. Et le secret pour éviter de casser le poisson, c'est de constituer une espèce de lit avec les oignons pour le poisson. Comme ça, on n'aura pas le poisson au fond de la casserole qui va coller et qui va faire que le poisson se casse, se brise, etc. Donc maintenant, on va ajouter le poisson.
On va ajouter ensuite des poivrons verts, quelques poivrons rouges découpés. On va ajouter aussi les poireaux qu'on avait découpés. Le thym. Le romarin, mais le romarin c'est optionnel comme je vous dis, mais ce qui est obligatoire c'est le thym pour le poisson gros sel, le persil, les gousses d'ail, le piment fort découpé, un piment en entier non découpé. Puis on va arroser tout ça avec le jus de citron. Mais on fait le tout avec le feu moyen. On va mettre le couvercle pendant 3 minutes seulement. Et puis on va laisser cuire sous la chaleur pendant 3 minutes. Et après on va ajouter de l'eau. After 3 minutes in steaming, we add the water. Après 3 minutes de cuisson en vapeur, on va ajouter l'eau. Toujours à feu doux, on va laisser cuire pendant 5 minutes, après on va retourner le poisson. On va laisser cuire 5 minutes de chaque côté, maintenant on va retourner le poisson de l'autre côté. On va le faire avec attention pour ne pas casser le poisson. On va laisser cuire ce côté 5 minutes aussi. On va recouvrir la casserole. After the second 5 minutes, we'll test our fish. Let's go. Après les deuxièmes 5 minutes de cuisson, on va goûter le poisson pour voir si il y a eu assez de sel. Parfait, il n'y a pas de souci. Maintenant, notre poisson est prêt à être dressé. Our poisson gros sel is ready to serve. Let me tell you, poisson gros sel is an easy, very easy dish and it won't take a long time to be ready. Ok, notre poisson gros sel est prêt à être servi et ça ne prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'ingrédients. Donc, c'est un plat très goûteux que vous aurez beaucoup de plaisir à déguster. Je vous donne rendez-vous à Santo Domingo pour une autre édition de Casserole du Monde. En attendant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Et si vous avez aimé la vidéo ou bien la recette, je vous invite à donner un petit j'aime. À très bientôt pour une autre édition de Casserole du Monde. Mon nom, c'est Gaspard d'Aurélien.
Hello guys, welcome to my channel Gaspard Aurélien. Let me remind you, in this channel you can watch recipe of recette haïtien, casserole du monde, marmite créole and some old TV show I used to present in Haitian television. Today, like I promised you, we're gonna make a recipe from Haiti. It's called poisson gros sel. Bonsoir. Bonjour tout le monde, merci d'être un abonné à cette chaîne et laissez-moi vous rappeler que sur cette chaîne, vous pouvez regarder des recettes haïtiennes avec recettes haïtiennes, casserole du monde qui présente des plats du monde entier, marmite créole et aussi des anciens shows que je présentais à la télévision en Haïti. Aujourd'hui, comme promis, on va réaliser une recette haïtienne, c'est poisson gros sel. Stay tuned! Pour faire le poisson gros sel, on aura besoin de poisson, bien entendu. En général, le poisson gros sel en Haïti se fait avec le poisson rose. On aura besoin du beurre, mais en lieu et place du beurre, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive aussi. On aura besoin du sel assaisonné, du poivron vert et du poivron rouge. Des oignons découpés, deux jus de citron, l'équivalent de deux citrons pressés, du thym, du persil ou de la coriandre, et puis du romarin si vous voulez. Le romarin est optionnel, c'est en fonction de votre.